Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2 à propos du DLC 3. Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement vous proposer comment faire l'amélioration du pack-a-punch dans l'Hôtel du Sang. Donc c'est la troisième map, c'est le chapitre 3. Donc pour débloquer les maps, je mettrai une vidéo à la fin qui vous expliquera comment les débloquer. Donc une proposition de vidéo, donc restez jusqu'à la fin si jamais vous voulez la voir. Alors avant de vous présenter l'amélioration du pack-a-punch de l'Hôtel de Sang, je tiens juste à vous montrer l'easter egg, comment on a trouvé le code, voilà tout simplement. Donc on va d'abord aller dans la première map. Donc bien sûr, on n'a pas découvert tous les emplacements du code, mais on en a 5 et j'ai vu ça chez Damien The Game, donc je mettrai sa chaîne en description, n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne si jamais ça vous intéresse. Alors je trouve ça vraiment stylé qu'ils mettent des pièces, donc la première emplacement c'est ici. Ils mettent des pièces comme ça dans d'autres maps pour résoudre un easter egg de la troisième map. C'est vraiment, franchement, moi j'aime bien, c'est assez lucide. Le deuxième emplacement c'est ici, donc la première, vous avez bien vu que c'était une double flèche. Là c'est un N. En dessous, il y a encore un troisième emplacement, c'est pour des bouteilles de vin. Donc voilà, juste ici, on peut voir que c'est un plus. Maintenant je vais changer de map parce que ici il y a que trois emplacements. Si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hein. Alors dans la deuxième map, il y a deux emplacements, dans la map USS Mount Olympus. Alors il faut savoir que vous devez lancer la map de survie pour pouvoir voir ces codes, donc pour pouvoir voir les petites pierres, parce qu'elles n'apparaissent pas dans le chapitre 1, 2 ou 3. Parce que ben voilà, la map est un peu différente, comme vous pouvez voir, ben il y a les armes au mur et tout ça, donc c'est un peu différent. Alors le premier emplacement du code, il se trouve ici, donc la première pierre, voilà, juste là, un B. Et il y a un autre emplacement qui se trouve près du pack-a-punch, donc juste en dessous d'une couchette, voilà, juste ici. Alors c'est un M. Donc maintenant je vais quitter la partie et je vais vous montrer c'est quoi le code entier à entrer dans la troisième map, donc l'hôtel de sang. Je tiens à préciser aussi que l'amélioration du pack-a-punch ne se fait que dans les maps survie, pas dans les chapitres 1, 2, 3. Parce que voilà, ben, c'est un autre système dans les autres maps. Donc voilà, on ne peut pas améliorer le pack-a-punch dans les autres maps. Alors il faut savoir aussi que quand vous avez amélioré le pack à punch, si maintenant vous tombez sur une batte ou une dague, et bien vous pouvez carrément améliorer vos armes de corps à corps. Donc c'est vraiment vraiment stylé. Donc il faut juste que je teste un truc. Il faudrait que j'aille jusqu'à la manche 25, parce que vous ne pouvez pas débloquer le Tesla ou les armes spéciales avant la manche 25. Enfin, je pense que les armes de corps à corps ne sont débloquables qu'à la manche 25. Je ne saurais même pas vous dire en fait. Mais en tous les cas, dès que je vais débloquer la dague, j'aimerais bien voir si elle sait me rendre de la vie comme sur le trône sombre. Sur le trône sombre, elle nous rendait de la vie, c'était vraiment cheaté. Il faudra juste tester ça. Alors bref, donc le code. Donc en fait, regardez, je vais déjà vous montrer un truc. Je ne sais pas si on le voit, mais je pense qu'on le voit. Ah bah non, on ne le voit pas. Ah si, on le voit. On voit la petite pièce en fait. Donc attendez, je vais tuer les zombies. Et vous allez voir, on voit un peu la petite pièce qui est juste là, on la voit en fait. La petite pièce du pack-a-punch pour l'améliorer. Donc elle est derrière le mur. Donc pour soulever le mur, il faut absolument noter le code. Donc moi je vais le noter dans l'ordre que voilà, je le note, hein, du plus haut au plus bas. Donc il va falloir tirer sur la lettre N. Ensuite il va falloir tirer sur la N plus. Les doubles flèches. Le stérilet. Attendez, je vais juste tuer ces deux zombies là. Le stérilet et puis doudoum. Voilà. Et puis après, il faut tirer sur le B, le M et le C. Et là, quand vous avez bien noté le truc, si vous vous trompez, je pense que vous pouvez recommencer. Mais je sais pas s'il faut passer la manche ou pas. Dans tous les cas, je pense qu'il faudra passer la manche. Enfin, je suppose, hein, j'ai pas file. Donc là, regardez, le mur, il s'est levé. Et là, il y a la petite pièce. Donc vous ramassez la pièce. Et là, vous allez voir que sur le pack-a-punch, eh ben, la pièce sera installée. Donc là, pour améliorer le pack, enfin, pour activer le pack-a-punch, donc regardez, là, il y a la petite pièce. Il va falloir alimenter les générateurs comme ça, donc un à la manche 1, un à la manche 5 et un à la manche 10. Et après, ben, vous aurez le pack-a-punch débloqué. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, ah oui, non,
dans cette map-ci, les améliorations sont en or. Donc, tu auras le Tesla en or, les armes en or, vos armes de corps à corps en or. Et les armes de corps à corps sont améliorables aussi dans toutes les maps. Donc, je l'ai pas précisé dans les autres tutos, tout simplement parce que je ne le savais pas. Je l'ai appris juste à l'instant sur la vidéo de Demon the Game que je répète, que je mettrai en description. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne le connaissez pas. C'est un youtubeur anglophone qui est vraiment fort sur les recherches des secrets, tout ça. Donc voilà, c'est une grosse référence, même pour les gros youtubeurs américains. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao, peace. I'm make, bruh.